Good morning, allez, Iden, les tuyaux soient aujourd'hui, les Elohim Shemat Richard, Ron Ben Fortune et Mazal, ainsi que le Fouet Ranan Abad Gitel Devra et Sarah Bat Nechamab Tour, Chapol Israël, si vous souhaitez vous y dédier une prochaine tenue, chaque côté de la 5e minute éternelle. Nous étudions le Sarah Tusafim, Prektet Mishnah, Hey, Ma Ben Pesach Mitzrayim le Pesach Dorot, Pesach Mitzrayim, Mikro Beasor, Vetaoun Azaa Beagudat Ezov, Al Hamashkof, Veal Shetea Mezuzot, Venechal Bechipazon, Belaila Echad, Pesach Dorot Noheg Kol Shiva. Mishnah cette fois-ci qui va nous comparer Ma Ben Pesach Mitzrayim le Pesach Dorot. Quelle différence est-il entre le Korban Pesach qu'on a mangé en Égypte et le Korban Pesach qu'on doit manger pour les générations à venir? C'est un peu en rapport avec la Mishnah Gimel, on apprenait les différences entre le Pesach Rishon et le Pesach Sheni. Du coup, la Mishnah vient de continuer en disant la différence entre le Pesach Mitzrayim et le Pesach Dorot. Si vous lisez dans la paracha qu'on a lu à Pesach, tout, on va porter là-bas toute la paracha de Bo, toutes les instructions sur la manière de manger le Korban Pessah. Il y a toutes sortes de mitzvot particulières que la Torah a prescrit, qui étaient spécifiques à cette époque-là, le Korban Pessah qu'ils ont fait en Égypte, mais qu'il ne faut plus ensuite refaire pour les autres générations. Il y a des mitzvot qui sont semblables à l'un et à l'autre. En l'occurrence, par exemple, ne pas casser un os du Korban Pessah. Là-bas, ils ne devaient pas casser l'os. Nous aussi, on n'a pas le droit de casser l'os aussi. Il faut aller le manger grillé. Nous aussi, on le mange grillé. Mais il y a quand même quelques différences que la Mishnah avait énumérées, qui sont Ma Ben Pesach Mitzrayim et les Pesach Dorot. Quelle différence y a-t-il, différence concrète, entre le Korban Pesach qu'on a fait, entre l'alachot du Korban Pesach qu'on devait faire en Égypte, et le Pesach Dorot, le Pesach qu'on fait aux générations ensuite. Pesach Mitzrayim, Mikro Be'asor, le Korban Pesach d'Égypte, la Torah l'a prescrit que Veikru Ish Selebatot Selabait depuis le 10. Le 10 Nissan, il fallait déjà acquérir le Korban Pessah. À notre époque, on n'est pas obligé d'acquérir le Korban Pessah. Il faut malgré tout, attention, il faut 4 jours de vérification qu'il n'a pas de défaut, mais je ne suis pas obligé d'être possesseur de ce Korban Pessah. D'accord? Donc il n'y a pas de micro-béassor, il n'est pas acquis. Il ne fallait pas d'obligation de l'acquérir depuis le 10 du mois. De même, Vetaun Aza'a, Ba'agudat Ezov, Alamashkov, Al-Shete, Amzuzot. La Torah l'a prescrit en Égypte qu'il fallait prendre un bouquet de ézov, j'ai oublié le nom, l'isop, je crois que ça se dit, faire un bouquet de l'isop, tremper dans le sang du Korban Pessah et le badigeonner sur les alamashkov, valchetam, zuzot, sur le linteau, je crois que ça se dit en haut, et les poteaux, les deux poteaux. D'accord? Là-bas, il fallait, fallait asperger le sang. Nous, on n'asperge pas le sang sur le Korban Pessah à Yerushalayim, on ne s'amusait pas à badigeonner du sang sur les poteaux de la maison, la porte d'entrée, quoi. C'est pas nécessaire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, la Torah, la Gemara, elle met en corrélation plutôt le fait qu'à notre époque, on asperge le sang sur le Mizbeach. À leur époque, en Égypte, ils n'avaient pas de Mizbeach, ils ont mis à la place sur leur porte. D'accord? Si déjà. Il faudra le Korban Pessah d'Égypte, qu'ils ont mangé en Égypte, ils devaient le manger Bechipazon, comme quelqu'un d'empressé, Motnechem Chagurim, Benalechem Beraglechem, Bemakelchem Biedchem. Il fallait le manger comme quelqu'un qui est pressé de sortir. La Torah Hachem a prescrit qu'on mange le Korban Pessah en ressentant, en mettant en scène le fait qu'on va sortir tout de suite. Et c'est ce qui nous a permis ensuite de sortir tout de suite. Que. Ça impliquait quoi? Il fallait le manger avec le ceinturon déjà fermé, avec le bâton en main, avec les chaussures au pied, prêt à sortir. D'accord? Ça, tout ça, c'est plus d'actualité. Ensuite, c'est obsolète pour les générations à venir. On n'a pas d'obligation de manger le Korban Pessah comme ça. On peut s'asseoir, au contraire, il faut s'asseoir tranquillement. Il faut même le manger behesseva, en s'accoudant agréablement. Et voilà. Donc on n'a pas le devoir de le faire personne. Et attention, il devait être mangé durant une nuit. Alors là, il y a un problème dans cette Mishnah. On va traduire d'abord littéralement, on va expliquer le problème, puis après on va apporter la solution. Mais Nechal Bechipazon, il faudra le manger donc, Bechipazon. Belaïla Echad, durant une nuit. Au Pesach Dorot, Noeg Kol Shiva. Tandis que le Pesach des générations à venir, tu as l'habitude de le dire, il faudra le faire durant les 7 jours. Alors là, il y a un problème. Le Korban Pesach, même à notre époque, c'est exactement comme à l'époque de chez eux. Il fallait le manger chez eux avant Chatzot, chez nous avant Chatzot. Aucune différence. Donc on ne peut pas parler du devoir de manger le Korban Pessah. Le Korban Pessah, on ne le fait que le premier soir de Pessah, on fait la Shrita avant, et on le mange durant la première nuit jusqu'à Chassot, et on s'arrête là. Il n'y a plus de suite sur le lendemain. Donc c'est quoi ce Pessah Dorot Noeg Shiva?
On ne parle plus du Corban Pessah. Donc il faut parler de la Mizat Pessah. C'est quoi la Mizat Pessah? Devoir de manger la Matzah. On n'a pas de devoir, on n'a pas d'obligation de manger la Matzah durant toute la semaine de Pessah. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? L'interdit de consommer du Khametz. Et la Gemara, elle explique en réalité que l'interdit de manger le Khametz en Égypte, il était durant la première journée, tel que c'est rapporté dans la Gemara et le Rishonim, durant la nuit et la première journée qui suivait. Après, le 16 Nissan, ils avaient déjà le droit de manger du Khametz. Nous, on a le devoir de ne pas, on a l'interdiction de manger du Khametz durant 7 jours. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tuv Sela.